se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, d'abord, je me présente, je suis Cathy, je suis démonstratrice chez Stampin' Up depuis 4 ans. Et aujourd'hui, on va travailler ensemble une petite boîte, une boîte à thé. Alors, elle est composée d'un couvercle et d'une boîte, avec ici une petite ouverture où on peut insérer des sachets de thé. Je vais vous le prouver tout de suite. J'insère mon sachet de thé et, comme par hasard, mon petit sachet de thé ressort ici. Donc, c'est un petit, ça peut être un petit cadeau original, je pense, pour la fête des mères éventuellement. Alors, aujourd'hui, on va travailler avec un papier qui, hélas, n'est plus présent au catalogue, mais qui était super joli et j'avais envie de travailler donc avec ce papier qui se nommait Bonjour Irrésistible, où on avait tout un petit assortiment de couleurs qui allait du vert jusqu'au jaune en passant par un petit peu de rose. Et aujourd'hui, je vais travailler donc avec celui-ci. Mettre un peu de lumière. Je vais travailler avec celui-ci qui représente bien les trois couleurs que je viens de vous nommer. Donc ici, nous avons du Narcisse d'Hélice. Ici, nous avons du Pétale Rose. Et là, le vert, je pense que c'est du Sous l'Écume. Hop. Voilà. Donc aujourd'hui, je le travaille avec le papier Pétale Rose. Ici. Allez, on commence. Je prends donc mon massicot. Et je vais découper un morceau de papier. Hop. Qui mesure 29,5. Donc c'est quasiment la longueur de notre papier puisqu'il fait 29,7. 29,5 par 18. Vous verrez, elle est très très simple à faire, cette boîte. Et ça fait un joli petit cadeau pour la fête des mères. Donc, on va faire des plis dans ce sens, sur la longueur des 29,5. On va faire des plis à 7, 14, 21 et 28. Allez. Donc, on a 17. 14, 21 et 28. Il nous reste ici 1,5 cm qu'il servira à coller notre boîte. Ensuite, dans le sens des 18 cm. Je vais faire des plis à 11 cm. Alors, c'est un peu plus compliqué. Je fais un pli à 11 cm jusqu'au deuxième pli que nous venons de marquer en laissant bien ce morceau ici, la petite languette, en haut. Hein. Donc, on marque à 11 cm. Donc, la petite languette est en haut, notre massicot. On fait un pli à 11 cm jusqu'au deuxième pli que nous avons tracé tout à l'heure, donc à 14 cm. Je marque un deuxième pli. Non, je ne bouge pas, toujours à 11 cm. Et je vais marquer le pli du troisième pli jusqu'au quatrième pli, donc jusqu'à la languette, puisque la languette est toujours ici. Donc toujours à 11 cm. Et je m'arrête au pli de la languette. Ensuite, à 9,5 cm,
Alors, c'est un tuto que j'ai trouvé sur internet hein, et que j'ai trouvé assez sympa et assez simple à réaliser. Donc, à 9,5 cm, je vais couper sur la troisième bande. Donc, 1, 2, 3. Donc, sur celle-ci, je coupe à 9,5 cm. Et je coupe à 13 cm la première bande. Jusqu'en bas. Voilà, ça nous donne ceci. Maintenant, je vais couper dans la longueur des 29,5. Je vais couper ces morceaux ici. Donc, je me positionne comme tout à l'heure à 7 cm et je vais couper. J'avance jusqu'à 14 et je coupe à partir de ma trace de coupe que j'avais ici. Je vous montre tout ça tout à l'heure. J'avance jusqu'à 21 et je fais la même chose à partir de mon repère de coupe qui est ici. Et à 28, je vais couper ma petite languette ici. Je finis par couper ma petite languette ici. Et voilà ce que l'on obtient. Donc, mes plis ici à 7, 14, 21, 28. Ici, ma petite languette pour coller. Et ici, donc, ce sera la boîte. Tant que j'y suis, je vais marquer. Je vais biaiser un petit peu mes languettes pour avoir un petit peu d'aisance pour coller et que ce soit bien plus joli. Hop. Voilà, on va marquer les plis avec le plioir. Hop. Donc je marque tous mes plis. Un. 2, 3, la petite languette, ensuite les plis de la boîte et celui-ci. Donc, vous pouvez remarquer que notre boîte est prête. Et nous avons ici la petite ouverture pour qui va nous permettre d'attraper notre petit sachet de thé. Voilà pour ça. Ensuite, ben on va découper un petit peu de papier design. Donc les quatre morceaux. Donc avec celui-ci que je vais positionner dessus. Donc ce morceau, vous l'aurez compris, il est plus court. C'est le morceau qui est devant. Quand on plie la boîte. Donc je vais couper 4 morceaux. Ici nous avons donc 7 cm de largeur sur chaque panneau. Et en hauteur nous avons 11 cm. Je vais donc couper 4 morceaux de 6,6 par 10,6. Alors on a dit 6,6. Hop, par 10,6. Je vais garder le fond du papier qui est plus joli.
Donc on est bien d'accord que la partie de devant sera un peu plus courte. 10,6. Hop. Je prends un autre morceau de 6,6. Et le petit dernier, donc, qui fera toujours 6,6. Mais qui, en hauteur, ne fera que 9. Hop. Et voilà. Nos quatre morceaux sont déjà découpés. Je vais les coller de suite. Je prends mon tube de colle. Un petit peu de colle juste sur les côtés. Parce que, comme je vous le dis toujours, c'est une colle très bien et on n'a pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà pour le deuxième, le plus court. Et le petit dernier, ici. Voilà. Hop, hop. Et hop. Voilà un petit aperçu de ce que va donner notre boîte. Alors, on va la coller. Hein. Alors ça, on met ici, ça ici. Alors donc, je mets la petite languette dessous, je colle dessus et je colle. Et je colle comme ceci. D'accord? Hop. On vient coller donc bord à bord. La première partie. Ensuite, on va coller la deuxième partie et en même temps, on va mettre la colle sur la petite languette pour coller le tout. Donc, ça va nous faire ceci. Allez. Je mets la langue colle ici aussi. Je plie tout ça. Je regarde que tout soit bien en place. Sans problème. Je prends mon tube de colle. Et je colle l'intérieur. Voilà. Je colle ma petite languette ici comme il faut. Et vous voyez, déjà, nous avons la base de notre boîte. Alors maintenant, reste
à faire le petit couvercle. Alors, le petit couvercle, donc, hop, je reprends mon papier pétale rose et nous allons couper un morceau qui va mesurer 11,3 par 11,3. Donc, un petit carré de 11,3. Et dans ce carré, je vais marquer des plis à 2 cm de chaque côté. Je fais un morceau d'en face. Et puisque j'ai déjà mes deux lignes de tracé, je vais marquer à 2 cm un pli, mais je vais couper jusqu'au premier pli de chaque côté. Je vous montre. Je marque mes plis, mais ici il me faut une coupe et ici il me faut une coupe. Donc, tant que je suis là, je coupe. Et je fais pareil de l'autre côté. Je me positionne à 2 cm donc de ce côté du massicot. Ici j'ai un pli, ici j'ai un autre pli. Je vais plier du premier pli jusqu'au deuxième pli et par contre je vais couper en haut et en bas. C'est juste une petite astuce pour aller un petit peu plus vite dans les plis et les coupes. Voilà, donc nous avons nos deux languettes ici que nous allons couper un petit peu de biais pour que le pli soit plus joli, pour que la colle, pour que le pli soit plus net en fait. Hop, je coupe de biais. Hop, je tourne. Ici. 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 Et ici. Voilà. Donc, sur le couvercle, on va coller un petit peu de papier quand même fantasy. Alors, comme ici, j'ai pas mal décoré la boîte, je vais mettre un papier un petit peu plus uni peut-être. Ou alors, peut-être des grosses fleurs, parce que nous avons un modèle qui est assez joli. Voilà, celui-ci, que j'aime particulièrement. Vous voyez, il est toujours en accord avec ce papier, mais je vais quand même découper une jolie fleur dedans. Alors, mon centre, il fait donc 7,3, mon carré, donc je vais couper un morceau de carré, un morceau de papier carré de 7 par 7. Alors, je vais regarder de prendre quand même une fleur. 7. Alors, 7, ça coupe ici. Donc, je vais prendre cette grosse fleur quand même. Hop, et je vais recouper à 7. Voilà, pour avoir une fleur au centre de mon couvercle. Impeccable. Hop. Voilà. Je colle tout de suite ma fleur. Vous voyez que celle-ci sera différente de celle que je vous ai présentée. Hop. Voilà, je vais marquer les plis. Et le petit dernier. Ici.
Donc ensuite, vous avez compris, on va coller nos petits onglets là et mettre notre chapeau sur la carte. Bon, ce sera plus facile une fois collé, hein, je vous l'avoue. Allez, on va les coller parce que comme ça, je ne peux pas vous montrer. Hop, on rentre ces deux morceaux. Hop là. Je vais vous donner le tourniquet. Et on colle bien pour former un angle presque parfait. Hop. Vous voyez, bien bord à bord, pour que ce soit très très joli. Hop, on fait celui-ci. Et pareil, on le colle bien bord à bord pour que le pli soit bien vraiment nickel. Voilà, et vous voyez, notre chapeau, il s'adapte parfaitement sur notre boîte. On va ensuite faire une petite anse pour enlever le couvercle et que ce soit bien plus facile. Donc celle-ci, j'avais dû la faire de 1,5 cm. Donc il me faut 7 et un peu plus. Alors, je reprends une chute de papier. Hop. Je vais la couper, on va dire 10. 7, 3, ouais. À 10. 1,5 cm. Voyons, j'ai pas trop mesuré. Oui, ça devrait le faire. Ah, je vais marquer un pli. Donc, ce pli ici pour pouvoir le coller. Donc, il est à 1 cm du bord de chaque côté. Hop, donc je fais un premier pli. Donc, 1 cm et un deuxième pli. 1 cm. Voilà, maintenant pour faciliter un petit peu la courbure, je pense que ça se dit, de ma anse, je vais plier un peu le papier, le préparer comme ceci. Vous voyez? Il est plus simple comme ça à coller. Donc voilà, on le colle, on se trompe pas de côté, hein. On met bien dans l'alignement de notre ouverture, hein, surtout. Et je positionne un petit peu de colle. Donc juste ici. Et je viens positionner bien au bord de la boîte. Et je vais coller ensuite le deuxième. Ici. Hop. Voilà, je le maintiens 2 petites secondes. Le temps que la colle le fixe bien. Voilà, pendant ce temps, on va faire notre petite déco de la tasse, bien sûr. Alors, pour ça, je reprends donc le set de tampons qui est approprié. Hein. Donc, mon set de tampons tasse de thé, mais qui n'est plus, je pense, au catalogue. Hein. Avec les poinçons qui étaient coordonnés. Donc là pour le moment j'ai juste besoin pour la tasse donc
de notre base de tasse et de notre petite tasse fantasy. Donc la base de la tasse, je vais la faire toujours en rose, mais l'intérieur de la tasse, on va varier un petit peu. Je pense que je vais la faire en jaune. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça changera un petit peu. Allez, je reprends une machine. Oh, oui, j'ai mis les plaques. Ah, ben si j'ai pas les plaques, on va être embêté. Où est-ce que je les ai cassées? Ah, ben celle-là. Je reprends mes plaques. Donc, toujours pareil, ma base numéro 1 et mon petit sandwich. Donc ici, je positionne ma tasse de thé. Si je mettais la plaque, ça serait mieux. Donc ma tasse de thé. On fait le petit sandwich. Et on mouline. Voilà ma petite tasse de thé parfaitement découpée. Maintenant, je prends ma découpe un petit peu plus fine. Je prends cette fois-ci le papier Narcisse Délice et je vais découper ma petite tasse. Et je vais le passer deux fois dans la machine parce qu'il y a des petites découpes un petit peu plus fines. Je range ma petite tasse. Vous voyez, ma petite tasse, elle est parfaitement découpée. J'enlève juste les petits morceaux qui sont un petit peu en trop. Hop, et qui s'enlèvent très bien. Hop. Hop. D'où l'intérêt de passer deux fois dans la machine de découpe pour pouvoir les coller plus facilement. Voilà ma petite tasse. Vous avez vu comme elle est jolie? Hop, ça, on l'enlève. Voilà, je vais donc de ce pas couper, coller ma petite fantaisie sur ma tasse. Alors là, c'est un peu périlleux parce qu'on n'a pas beaucoup d'endroits où mettre de la colle en fait. Mais j'ai réussi jusqu'à présent. Ça devrait pouvoir le faire encore. Hop. Voilà, on essaie d'en tartiner un petit peu partout. Et on colle. Voilà, on ajuste un petit peu. Et voilà. Petite tasse. Donc on va venir la positionner ici, mais on le fera tout à l'heure. On va maintenant découper notre petit notre petite attache pour tamponner le message.
Alors, on va le faire. Qu'est-ce que vous en pensez en rose? Allez, rose. Vendu. Donc, je vais le couper deux fois. Une fois pour le devant, une fois pour l'extérieur. Et pour pouvoir coller la petite ficelle qui se trouve ici, pour pouvoir la coller au centre de mes deux inscriptions. Alors, je reprends mes petites découpes qui sont bien en chantier. Hop. Et je passe dans la machine une première fois. Voici pour une. Hop, on le passe une deuxième fois. On va passer ce côté qui est plus joli. Et voici le deuxième. Allez, on range ça. On met de côté la petite machine. Ici. Et on va donc tamponner notre petit message. Donc j'avais tamponné celui-ci. Hein. C'est l'heure du thé. Allez, je vais coller sur mon petit bloc acrylique et je vais le tamponner en noir. Par contre, parce que le rose, si je le tamponne en rose pâle, la même couleur que le papier, on verra absolument rien. Hop. On essaie de le centrer et voilà notre petit tamponnage. Voilà, je vais couper un petit peu de ficelle fantaisie. Voilà, donc je reprends celle-ci. On va faire en doré, je trouve qu'il s'accordera beaucoup mieux. Je coupe un petit morceau. Un petit morceau, c'est pas la peine qu'il soit très long non plus. Hein. Je le tends un peu parce que sinon il est quand même un petit peu tordu. Et je viens le coller au centre. Alors un petit peu de scotch. Tout simplement. Hop. On en coupe toujours trop. Voilà. Eh bien, je peux pas m'en débarrasser de ce morceau. On va l'appuyer comme il faut. Voilà, et je viens recoller donc mon deuxième morceau dessus pour cacher notre ficelle qui est collée. Alors, on met pas mal de colle. Hein. On regarde que tout soit bien en face, que ça déborde pas ni d'un côté ni de l'autre.
Voilà. Et on attend 2 petites secondes. Ensuite, je vais le coller comme ceci. Pareil, je mets juste un petit peu de scotch. On insiste bien pour que ça tienne. Et voilà. Et donc cette partie, eh bien on va la coller tout bêtement sur notre petite boîte. Hop, je mets de la colle. Alors je colle, mais pas de colle sur la hanse, parce que je la fais dépasser un petit peu de la boîte. Donc voilà. Et je la colle et j'attends 2 petites secondes que la colle adhère bien à la boîte. J'appuie bien parce qu'il y a quand même la petite ficelle à l'arrière. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de celle-ci? Elle est sympa aussi, en rose. Je monte un petit peu la caméra. Ah, et j'oubliais un petit peu nos petites strass. Je prends 3 petites strass que je viens coller ici, manière de faire une petite fantaisie. Et un petit peu à droite. Et un petit peu à gauche. Et voilà. Alors, notre petit sachet B, il rentre toujours. Je fais un petit peu de ménage. Et voilà, notre petite boîte, elle est terminée. Donc, nous avons la version vert. Nous avons la version rose. Je ne sais pas laquelle vous préférez. Moi, j'avoue que je ne sais pas non plus. Bah, écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous dis bon week-end. Je vous dis bye bye. Et à bientôt pour une autre vidéo.